Professeur Mario Ferrare et vous, Daniele Pavan, je vous trouve à la sortie d'un film qui parlait d'une expédition en 1941 de l'armée italienne sur le front russe, en particulier en Ukraine. Alors, Daniele, che hai imparato sulla storia dell'Italia in questa periodo? È stato un film che mi ha come aperto un mondo, tra virgolette, mi ha fatto capire meglio, in maniera più approfondita, quello che un soldato andava a vivere in quei momenti. È un film che sì, è andato più nello specifico della Seconda Guerra Mondiale, non è stato superficiale, anzi, e poi grazie alle riprese comunque fatte da due registi amatoriali e soldati, abbiamo potuto vedere proprio nel... insomma, siamo stati trasportati in quello che era appunto quello che vivevano i soldati e ha fatto un certo effetto comunque. Allora, la traduzione, professeur? C'è un film che ha ouvert un mondo dans un episodio importante che è la Deuxième Guerre. Une fenêtre ouverte par deux soldats. Il a pu voir ce que le soldat vivait et pensait. Donc ce n'est pas une superficiel, mais il est entré dans la vie du soldat. Il a compris mieux ce qu'il vivait. Et tu as fait une relation avec la situation présente en Italie? Est-ce qu'on peut faire une relation, puisqu'on parle du fascisme, entre la situation présente en Italie puis cette situation qui a été vécue en 1941? Si tu peux faire un affront, quelque chose qui te lie à ces moments et à la vie aujourd'hui de l'Italie. C'est une demande difficile. Non so se ho capito bene la domanda. Oui, c'est une question un peu difficile, je suppose. C'est difficile, je dis que c'est très difficile, il n'a pas compris très bien la question. Ouais. Mais la question c'est, est-ce qu'on peut faire un lien entre le fascisme à cette période-là et puis ce qui se vit aujourd'hui dans la situation présente en Italie? On a vu la relation entre les Italiens et la guerre en Éthiopie, on voit aujourd'hui les relations qu'il y avait encore il y a quelques mois, Salvini, avec les étrangers. Se puoi fare un collegamento con l'Italia, con i problemi, col fascismo di allora e con l'Italia attuale, ha citato anche l'ex ministro Salvini, la questione etiopica, la questione africana, l'Italia che è stata ma ha dimenticato di essere stato uno stato colonialista. Ok, allora, sì, ancora oggi abbiamo questa sorta di problemi, quindi riguardo la guerra. Ci siamo evidentemente dimenticati quello che è successo, il passato. Evidentemente il passato non ha insegnato quasi nulla, e le cose sembrano cambiate, però in realtà non lo sono. Ci sono ancora molti problemi che però vengono mascherati dai poteri forti. Sì, la situazione sembra appunto essere cambiata, ma in realtà non lo è tanto. Abbiamo ancora appunto diversi problemi che possono coincidere con i problemi che c'erano appunto all'epoca e che sono stati combattuti con la guerra. Donc effectivement, il semble qu'il y a une relation au niveau de l'Afrique, entre l'Afrique et l'Italie, et ce qui se vivait à ce moment-là et ce qui se vit aujourd'hui. Il a dit que l'Italie a oublié beaucoup de choses de la problématique de l'Afrique. Mais j'ai dit qu'on a oublié, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que ça s'est passé. L'activité de soldats italiens dans l'Afrique, dans la guerre en Éthiopie, etc. Ce n'est pas enseigné actuellement dans l'enseignement. Ah oui, c'est un problème. L'actuel, c'est... C'est ce qu'il semblait dire. À parler, oui. Dans l'école aussi, on n'arrive pas à l'actualité, mais aussi ce problème, il faudrait les approfondir plus.